tous, ici Bloom Bacaton, on se retrouve pour la vidéo découverte de Mario Striker Charger Board Ball. Ah, c'est parti, on est go, on est chaud. Je veux que j'arrive à appuyer sur le truc démarrer là. T'as un capteur à la noix. Je peux pas le foutre sur ma télé, puis j'ai pas envie de foutre les putains de scratch d'autocollant. Ça te colle pour vas-y pour le retirer. Et là, c'est bon. Eh. On va prendre soin les télés comme ça. Surtout que les télés de maintenant, hein, elles sont pas très résistantes. Alors. Vérifiez que le pneu chaud est bien connecté à la dégrandouille. Ouais, bah oui. Ah non, c'est pareil. Même si c'est un robot normalement. Ah non. Attends, t'as une boule de pétanque le truc là. Que la compétition commence. Voilà le bordel. Bon allez Goomba. Voilà, là, là, ça va être du lourd. Augmenter le son ou baisser. Non, c'est bon. Plutôt le baisser, 24, c'est suffisant. Voilà la Bowser. Carapace rouge en plus. Qui fout le cul. Il fout le feu tout cul. Par contre, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il joue avec une boule de pétanque. Voilà, Galawario. Allez, notre ami Yoshi. Eh ben, vas-y, mon pote. J'espère que la balle, elle est pas... on peut mettre un ballon normal parce que sur GameCube, quand même, c'est un ballon normal. Et ouais, toujours le vecteur au but. Enfin, je crois que c'est vecteur, mais bon, ça serait bizarre que ce soit un perso de. Moi, je sais pas. C'est pas lui. Ben, c'est toujours les crocodiles. Par contre, j'espère qu'ils n'ont pas remis ces satanés robots. Ah, sur GameCube, c'était les persos que j'avais horreur. Ces robots, je pouvais pas les saquer. Ils avaient tous un coup spécial. On va voir s'ils ont gardé le truc. Non, il n'y a que les capitaines qui ont un coup spécial. Ah, vraiment excellent. Ah, Bowser VR dédicant à Waluigi. Dédicace à Venza Punk au passage. Ah, la classe à Dallas. Ça fait vraiment futuriste. Allez, c'est parti. Ah, donc 2007. Oula. Crée un nouveau fichier. Bon. Le truc, genre, qui bouge là. Ah, j'espère que je vais pas t'emmerder. Un nouveau fichier. Ah, c'est mode domination. Non, c'est bon. Entraînement, option, panthéon, challenge, en route vers la coupe Striker VS. On va se faire un petit entraînement vite fait. Bowser, les passes. Mario, les ballons. Critter. Ah, c'est Critter. Bah non, c'est pas Vector, Mario Mega Frappe. Frère marteau, bout technique deuxième partie. Et on va se faire tout simplement les bases avec notre ami Bowser Info Striker. Les bases. Ah ouais. Familiarisez-vous. Bah ouais, mais non, moi j'aurais rien joué là. Ah ouais. Ok. J'ai pas lu parce que. Ah voilà. Ah, ça, c'est bon. Ah, j'espère que je vais pas t'emmerder avec ce capteur à la noix alors. Ah, ça me saoule ça. Allez! Peut-être ici, voilà. Pas changer de perso, bah non, c'est que Bowser. Ah, c'est vraiment futuriste, hein. C'est puisque c'était sur GameCube. Marquer un but et gagner le match. Chargement, donc petit loading! C'est parti, la petite phase. Oh, franchement, Mario avec son petit air méchant là, ça le fait, ça le fait. Alors, marquer un but et gagner le match, en restant une minute. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ça me rappelle dans NBA 2K11, on pouvait paramétrer, on va dire, son match, et admettons, on pouvait mettre 10 points d'avance pour l'adversaire, il restait 2 minutes à jouer. C'était, on pouvait se mettre des petites challenges, donc là, ça le fait. Alors, je me dirige avec le truc là. Oh non, c'était les passes. Voilà, B. Je m'en doutais, B, c'est le truc. Ah, Bowser, elle est stylée comme ça. Donc là, j'ai des coupes, hein, donc dédicace au coupe à 80. Ah, c'est un Skurelex. T'as trop fort, il balance sa tête là. Bowser mène, premier but.
Bon, pour l'instant, pas trop de difficultés, mais bon, je sais qu'il y en a. Bon, j'ai un Berthaud avec moi, contre ce Sly. Voilà, on va voir. Moi, je vais bien faire, c'était des passes en hauteur. Donc, après, comme vous pouvez le voir au milieu, donc là, il y a le temps, c'est bon. Oui. Il y a le temps au milieu, 1-0, là, le score, au milieu, en haut, et à gauche, mon perso, Bowser. Donc là, je m'en fais, c'est instinctif, le truc, ça, je suis trop habitué à... J'étais habitué sur GameCube, donc à peu près et tout. Hein, comment... Ah, il craque lui dans la face! Ah merde! Donc là, 1-0. Donc c'est bon, j'ai gagné le match. Bowser a battu Mario dans ce match. J'adore parce que franchement, il y a des buts, des fois, ils sont. C'est hallucinant. Mais moi, ce que je préférais, mais franchement, le plus de fun que j'avais, à claquer le ballon plein dans la face du gardien puis à rentrer dedans, à taper 4-5 fois dans sa face juste le temps que ça rentre et à la fin BAM. Ah là 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 là, que de plaisir. Allez, c'est parti, un Full Striker. Le son réussit. Beau travail, vous avez appris les commandes de base. Le moment est venu d'apprendre comment charger le ballon. Bon, j'espère qu'on va pas se faire tout le tuto là. On peut quitter. Ah, attends, technique acquise. Essayez technique. Nouvelle technique. Loading. Pas mal l'OST. Alors bien sûr, attendez-vous à d'autres vidéos. Bah, sur ce jeu là. Bon, on va se quitter ça. Et où ce truc, hein, l'icône de merde. Ah là là là, elle est pile en plus, ils sont rechargés à bloc, j'avais prévu le coup. Ils sont rechargés depuis un petit moment. Donc connaissant Wi-Fi, là, je ne pourrais pas. Ah, tiens les autres, on va aller voir. Affichage dynamique ou statique. Petite caméra niveau 3. Ah là là là, ça va m'énerver ce truc-là, j'espère que je vais vous regarder. Audio crédit. Ah là là. Ah, c'est le brin, puis la capture où je vais jouer de côté, je vous dis pas de bordel. Donc là par contre, attendez, j'ai un petit truc à faire parce que là tout simplement, à l'heure actuelle où là je fais cette vidéo là, actuellement en même temps je vais mettre la vidéo de l'unboxing en route. Du coup j'étais en train de regarder une vidéo, on sait pas, je finirai de la regarder plus tard, j'ai regardé la vidéo. Est-ce que j'ai encore de la skill sur Mario Kart? Oui, de Vince Daft Punk. Je finirai de la regarder plus tard, t'inquiète. Oh mon ami. Voilà, donc attendez, je vais finir. Hop, sélectionner la vidéo. Tac 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 tac. Tac tac tac. Unbroken Mario Striker Football. Et voilà, c'est parti, ça upload sur YouTube. Alors, et challenge, revivez certains matchs tiré de l'histoire de Striker. En route, devenez une légende en portant la coupe Striker et votre équipe. Excusez-moi, donc là, mode domination. Je pense que si. Donc si c'est que le PC, comme ça, je peux monter à niveau. Débutant, on avec ça. Méga frappe, légende, superstar. Professionnel, on va mettre en professionnel, on va y aller progressivement parce que je me rappelle que franchement en légende ou quoi c'était 3 minutes. Bon, allez, on va 3 minutes. Ouais, donc là on a le choix entre minutes et machin au but. Choisis ça, capitaine. Ah, comme ça, on va voir les persos. Donc Mario, donc là on peut voir les caractéristiques, donc le déplacement, le tir, la passe, la défense. Ah, shot alors, hein, merde! Et ensuite, on peut voir aussi. Ah, ça y est, des fois. On peut voir aussi que Mario est un joueur de type complet. C'est écrit à côté des caractéristiques. Ah, on va en
désolé, là, une fois que j'éternue une fois, je peux éternuer 15 fois. J'ai éternué, pardon. Ah là là, bordel! On n'a jamais réussi à faire ce test. Cette vidéo de découverte, pardon. Donc, pitch et collectif, Donkey Kong, la puissance, les déplacements défensifs. Ouais. Donc voilà. Luigi, Wario, ah, 3 persos débloqués. Daisy, loco complet. Bowser puissant. Je vais me prendre Yoshi, j'aimais bien le prendre. Ok, je prenais soit Yoshi, Luigi. Alors on va faire un complet contre un complet. Mario. Donc voilà. C'est parti. Ah, choisissez les équipes. Ah. Ah, ça c'est bien. Donc là, gros big up à Koopa 81 qui se coupe pas. Les tonnes. Ah, de la balle. Ah, il y a plein de nouveaux persos défensifs, collectifs, puissance. Oh, pardon, puissance, c'est bizarre. Frère marteau, offensif. Ah, de la... ah, c'est délire ça. Les tops, puissants. Les masques. Regardez quand même la couleur, à chaque fois s'adapte au capitaine. Hein. Complet. Ah, attends, en plus on peut mettre les trois. Ça c'est bien foutu ça. On va mettre au moins F puissance, tentir, passe, défense, déplacement. Au petit top pour délirer. C'est le délire. Et en défense. Bon. Ah, c'est bien, comme ça on a le choix. On peut faire carrément défensif ou quoi. Ah, on peut changer les autres. Oh, bah, je vais essayer, hein. Je vais pas mettre trop de challenge. Alors. Hop. Par contre, je vais revenir vite fait. En quelques instants, je me dépêche. Désolé pour cet incident. Ceux qui voudraient savoir ce que j'étais faire, même si c'est super pas intéressant, nouveau mot, bah j'ai été niqué ma année. Ouais, de toute façon, je vais m'en remettre à la bonne place, parce que le temps il défile. Allez là, oh, capteur de merde. Allez, c'est parti, ok, on veut de l'action, on veut du show, tu as mal, tu as bouffé ta moustache. La fabrique, le stade de la fabrique. Alors, je me rappelle, il y avait plusieurs stades sur GameCube et les stades, c'était la ferraille, ça j'aimais pas. Mon préféré c'était le Koopa ou Yoshi. Bah, ou les deux, je sais plus. Ah, franchement, il y a bien plus de persos à choisir, complet, puissance, etc. Là, franchement, oh la top délire. Oh la tête. Oh là là là. Oh là, la mise frontale en plus. Attention, c'est l'arrivée de Yoshi. Allez, c'est parti. Ah, par contre, ah, le truc, ah, j'ai pas trouvé le bouton pour on voit peut-être. Ah merde, y'a pas les commandes, merde. Donc avec le A on change. Oh putain, je vais déjà me prendre la vue. Avec le A on change de perso, on fait des passes. Je vais tenter. Oh, regarde, écoutez, ils acclament notre ami Plombier. C'est quoi le délire? Oh là là, trop fort! Oh, c'est super ce truc! Ah, puis les impacts, je m'en rappelle, fallait. Allez! Putain, j'ai pas encore. Oh la foireuse! Ah là 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 là! Belle récupération des gardiens! J'ai pas les touches là! Oh là là! Ah là là! Il a un item! Oh, ça sent ce lapin! Ah, et puis, je vous ai pas montré, je crois que. Je pense là que c'est ça, à l'endroit où il y a la tête de Yoshi juste à côté, il y a deux petits ronds, c'est les items. Ouais, si c'est ça, le Mario il a un champi. Ah merde, ah je joue comme une queue. J'aurais peut-être dû regarder les touches avant de jouer, mais bon. Ah ça y est, c'est la manette, c'est des coups de Wiimote pour le truc. Voilà, un petit lobe. Ah, j'ai eu un objet.
Et après, je voulais aussi, comment dire, bah, là, c'est sûr, ce jeu, je le voulais. Mais après, je suis quand même. J'étais un petit peu déçu de Mario Sport d'hiver, il n'y a pas assez de difficultés. Et puis là, bah, franchement, je lance, c'est que de délire, que de délire. Qu'est-ce que j'ai passé comme heure à jouer avec Compa 80 sur ce jeu. Oh. Ah là là, on y a joué. Malheureusement, il l'a plus. Franchement, il était excellent. T'as la grosse top, la vache. Allez. Allez dans ta face, saloperie. Merde. Ah, puis ça, c'est bien. Là. Franchement, le coup de la Wiimote, tu scoutes. Hein. Ah, la vache, le masque-casse. Qui bute le masque-casse? Masque-casse, c'est un petit perso que j'aime bien aussi. Après, j'aime bien aussi parce que dans ma DS, j'avais carrément... Oh, la vache. Ah, ouais, c'est vrai, c'était comme ça. J'avais le pack... avec le masque dessus, une sorte de... Oh la vache, il va rentrer dans le but, pareil. Ah merde. Oh, c'est con ça. Oh, c'est con ça, ce petit peu. Code 0, hein, 4 buts méga frappe. Ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me rappelle avec Copa 80, quand elle frotte les matchs, des fois, dernière seconde. On est claqué comme ça. Bon là, par contre c'est abusé, là, ce truc là si on peut le zapper, je l'ai zappé là franchement. Il n'y avait pas autant de... Et dans machin c'était mieux, surtout c'était imparable. Oh j'ai claqué un œuf de Yoshi, je sais pas comment j'ai fait. C'est super. Non, mais, je m'en repère. Ok c'est le bordel ce jeu, mais c'est ça que j'adore aussi. Après, j'espère que vous m'entendez quand même assez bien, parce que comme là je suis un peu de côté. Oh là 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 là. Ah là là, 4-0 dans les dents. Je vais peut-être remettre en débutant pour m'en remettre, je veux dire, pas m'en remettre, mais bon, mettre les bases dans les pattes. Allez. Mario mène la série. Et je me rappelle, quand on jouait là en bas, le score, après le Yoshi, 4-0 dans le match numéro 1 de la série. Ah voilà, ça c'était, ça je m'ai bien regardé chez les stats. 4 pierres, 13 cadrés, 9 percussions. Ah, les percussions, ça les percussions, j'en ai toujours pris un petit tome. But méga frappe 4 sur 4, accélération 2, possession 48, ah oui, il va dominer là. À part dans la percussion, moi je suis très agressif. Pour la taupe, on va aller chaud dans la taupe. On est la clope. Et voilà, pas on est la taupe, on est la clope. Allez, hop. Voilà, top, franchement, la top. C'est trop délire. Allez, une petite passe. La passe en l'air, non, c'est le O et puis le Z ou je sais pas quoi, le gros bouton derrière. J'en retiens jamais cette petite touche. Voilà. Ah, c'est con, il la rattrape à chaque fois. Il faut peut-être bouger un bon coup. Allez! Ah, il met un coup de langue, oh, c'est con, c'est un peu con. Hein, le petit coup de langue de Yoshi. Oh là là, l'esquive, ah ouais, c'est bon, tu veux esquiver. Ah là 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 là. Ouais, ouais, il faudrait s'appuyer sur le B pour... Voilà, frappe, c'est le but. C'est l'ouverture du score par Yoshi. Mais Yoshi, mais zéro, brevet du débat. Dans ta face, Garniel, rien pu faire, ah, c'était du joli. Puis le petit icône là de Yoshi qui claque quand même. Dans ta face, c'est qu'est-ce que tu croyais faire, espèce de sac coupon de mes deux. Que, allez, Mascas, monte. Ah, c'est la top, je crois que de la patate. Tiens, je me rappelle, c'est claqué avec Coupa 80, bonjour. Bon, après, j'ai joué avec un autre gars aussi, mais. C'est autre chose. J'ai plus joué avec Coupa 80. On s'amusait des fois à tirer de je sais pas d'où, juste on se mettait juste au bord à l'engagement et puis on tirait. Allez, moi à chaque fois mon problème c'est que je peux toujours faire dans le collectif. Voilà. Allez la clope ou je sais pas quoi, allez. Ah ils ont gardé le même bruit. Ah c'est super ça. Allez dans ta face, on va bien. Oh, des coups de langue, c'est petit ça!
Oh la clope, allez, la clope, voilà. Bon allez, bien joué le masque, c'est pour Yoshi, est dans ta face. Je sais pas qui c'est qui gueule là, mais... Voilà là, ah les objets. Ah. Bien. Si je me trompe au bouton à chaque fois, ça va pas le faire. Allez, relance du gardien. Voilà. Voilà Mario, qu'est-ce que tu croyais faire? Allez, on dégage, allez, notre ami Yoshi Galvan. C'est Yoshi pour Mascasse, qui tire. Allez, l'arrêt du gardien. Ah là là, elle s'est loupée, attention, la clope qui pousse, récupération du gardien, le gardien qui relance pour Yoshi, pour Mascasse, qui tire, récupération, arrêt du gardien, et c'est parti, coup de langue de Yoshi, qui balance pour Mascasse, et la clope, voilà, oh vache, le délire, c'est quoi, je suis resté là, c'est un super frappe, voilà, oh c'est bien foutu ce truc-là, ah, beaucoup d'imaginaire, et c'est le but de la clope. C'est le but de la clope, j'ai pu te voir, gros bordel, franchement, quel plaisir, Goomba est content, là, franchement, ah là là, quel plaisir, j'ai pu te voir, c'est le bordel, ah là, que de plaisir, voilà, ah le petit ralenti, ah c'est super, ah dans ta face, ta gare, boum, autant, on peut, c'est vraiment un jeu super, un jeu, on peut mettre autant de race, de patates, de... Ah, c'est défoulé dans un monde Mario, dans un jeu Mario, quoi. Après, Super Smash Bros. World ou je sais pas quoi. Je sais, certains vont dire, ah, il retient jamais le nom, mais non. Comme j'ai plus le jeu, je retiens plus le nom. Après, c'est un seul jeu qui a du défouloir, mais... à l'époque où j'avais la GameCube avec les deux jeux, j'ai trouvé plus de rage à jouer à Mario Foot. Ah les petits ralentis des moments forts, ah là, regardez-moi ça, là, mais relais la clope. Là, c'était le but de Yoshi. Écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette vidéo découverte de Mario Striker à 49%, hein, mais bon, je n'y quitte. Regardez-moi ça, 22 verres puissants, ah là, j'adore, qui s'est broyé. Ouais, et voilà, et la clope. Bon, attention, ça reprend. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette vidéo, les gars, de Mario Striker Charged Football. Je crois que c'est mal dit parce que la jaquette, elle est aussi mon truc de capture. Je peux pas vous dire le dire. Oh, la petite clope, voilà mon coup de cœur pour renier la clope, là. Mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur, là, pour l'instant. Voilà, c'est le but! Prenez la clope, s'il vous plaît, ce soir, les petits encadrements, c'est génial, la clope! Oh la clope, allez, prenez la clope! Allez, la clope, oh là là, super but de la clope! Ta passe, Mario! Voilà, petite clope, allez, avance la petite clope! Allez! Donc, je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, ouais, c'est le but de la clope, on va se quitter sur ce but de la clope, je terrasse le moustachu. Je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les coms, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, et Goomba est déchaîné. Allez, dans ta face.